Bonjour, ici Marco Chéry. Bienvenue à la Minute Technique de Solid Expert. Dans la démonstration d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer les références pour un projet quand on a déplacé ou renommé un répertoire. Ici, dans mon projet du convoyeur, que vous voyez à l'écran, j'ai un répertoire qui s'appelle Modèle. Dans ce répertoire, contient plein de sous-dossiers où ce qu'on va trouver mes fichiers SolidWorks, mes modèles 3D. Qu'est-ce qui va arriver si, à un certain moment donné dans le projet, je change le nom ou déplace ce répertoire? Maintenant, ce répertoire s'appelle 3D Modèles. Bien, voyons l'impact dans mon projet DriveWorks en ouvrant le module dans DriveWorks qu'on appelle Data Management. Lorsque le Data Management est ouvert, je me log dans mon groupe qui s'appelle DriveWorks Training 15 et je coche l'option Data Backup pour m'assurer que j'ai fait un backup de mon projet. Et je m'en vais ici dans l'onglet Captured Information. Voyez-vous ici? Toutes les références de mes fichiers 3D apparaissent en rouge parce que les liens sont rompus. Pour recréer ces liens, je sélectionne le répertoire, je clique sur le bouton Change Location et à travers mes dossiers dans Windows, je vais repointer dans mon projet du convoyeur le nouveau répertoire qui s'appelle maintenant 3D Modèle. Voyez-vous, DriveWorks refait les liens. Et maintenant, tous les liens sont trouvés faisant référence au nouveau répertoire. J'espère que cette minute technique vous sera utile. Merci.